Et il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, ils font de l'obstruction. Donc Philippe convoque un tribunal d'exception. Il dit, bon, on ne peut pas avec ces magistrats-là. Le roi a toujours la possibilité de créer un tribunal qui s'appelle le Grand Conseil, avec des magistrats qu'il choisit. Donc Philippe convoque le Grand Conseil et lui donne l'ordre d'enregistrer. Le Grand Conseil enregistre et on a gagné. Eh ben non. Parce que le 23 septembre, le nonce apostolique, le nonce du pape, vient voir Philippe en lui disant que le pape lui a fait savoir que on sait très bien qu'en France, c'est le Parlement de Paris qui doit enregistrer et pas le Grand Conseil. Et alors Philippe explose en disant que votre pape y vienne pour voir s'il pourra mettre à raison tous ces bougres-là. Moi, je ne peux pas mieux faire. Le loup est dans la bergerie. Il n'y a plus moyen de gouverner. Il n'y a plus moyen de faire d'imposer en l'occurrence la volonté papale pour la bulle, mais également les volontés du roi par l'intermédiaire du régent. Le régent, enfin Philippe, devient de plus en plus exaspéré. Enfin, je ne sais pas s'il dormait beaucoup, mais là, il a dû dormir encore moins. Et le cardinal de Noailles, un coup il était pour, un coup il était contre, un coup il était pour, un coup il était contre. Une fois qu'il avait dit qu'il était pour, il revient voir Philippe en lui disant qu'il a encore changé d'avis. Et là, Philippe lui dit d'aller se faire foutre. Alors c'est rigolo parce que le régent, quand il était en colère, était d'une grossièreté absolument légendaire. Et ça, c'est resté. Les gens, les chroniqueurs ont relevé tous les trucs parce que c'était totalement inhabituel. Donc il y a eu réunion d'un concile. Effectivement, pour clarifier les choses. Et ça a été le concile qui s'est réuni à Embrun. Et le concile d'Embrun avait décidé, il était là pour accepter la bulle et qu'on n'en parle plus. Donc, les avocats de Paris ont décidé de faire des consultations sur le concile. Alors, attendez, on réussit à sortir un petit peu de la magistrature parce qu'ils nous enquiquinent et qu'ils veulent se mêler de tout, c'est les avocats qui prennent le relais. Et les avocats, comme représentants, donc comme connaissant la loi, sinon ils seraient pas avocats, ils étudient tout ce qui a trait à la bulle et ils font des consultations sur le concile. Les avocats. Et ils vont donner des ordres et des conseils aux papes, aux évêques et aux cardinaux. Alors vous avez des gens qui rigolent parce que ils sont pas nombreux, les avocats, ils sont 25. Mais ils sont 25 très turbulents et très soutenus. Et vous avez une chanson qui a été chantée à l'époque qui disait jadis, pour affermir la foi, les pères en concile, du Saint-Esprit suivaient la loi, consultaient l'Évangile. Ce n'est plus la bonne façon, l'Esprit-Saint doit prendre le ton des avocats, des avocats, des avocats de France. Quand d'un fatal schisme, autrefois l'Église menacée, par le concours de 300 voix combattait à Nicée, pour poser tous ces débats, ne fit-on juger le cas aux avocats, aux avocats, aux avocats de France ? Grands avocats, zélés docteurs de l'Église nouvelle, des conciles vrais directeurs, ranimez votre zèle. En paradis, n'en doutez pas, Saint-Pierre vous tendra les bras, grands avocats, grands avocats, grands avocats de France. Ça veut dire que le public savait pertinemment que ces gens se mêlaient de ce qu'ils ne les regardaient pas. Et c'est pas parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire qu'ils ne le faisaient pas. Et ils prenaient une importance, ils avaient le don, en fait, de saper l'autorité. C'était ça le propre de ce qu'ils faisaient. Les jansénistes, pas forcément les avocats, encore que l'âme damnée de ce mouvement, c'était un avocat, c'était Louis-Adrien Lepège. Ça a été un monsieur qui, jusqu'à la veille de la Révolution, a fait un mal absolument inouï, de calomnie. C'est vraiment. Il a d'ailleurs tué sa femme dans un mouvement de colère, à coup de pied dans le ventre, alors qu'elle était enceinte. Un gars très bien, un grand janséniste. Comment les aime. Et il dirigeait, alors il était le principal rédacteur d'un journal qui s'appelait Les Nouvelles Ecclésiastiques, qui n'a jamais reçu l'autorisation de publication. Mais ça ne les empêchait pas de publier quand même. C'est-à-dire que eux, les magistrats, eux, les avocats, vendaient une feuille, imprimée dans des conditions particulièrement judicieuses, de telle sorte que le journal sortait sans que personne sache quelle tête il allait avoir à la fin. C'est-à-dire, vous aviez un rédacteur ici, un rédacteur là, ce rédacteur donnait son papier à un autre, qui donnait un troisième, qui le portait à telle imprimerie imprimait telle feuille et telle autre, etc. C'était fait de telle manière que personne ne pouvait les arrêter. Et les feuilles étaient imprimées soit à Paris, dans des lieux hautement jansénistes, soit à la campagne, dans mon coin, moi je suis de Bourgogne, il y avait une imprimerie dans une ferme pas très loin de chez moi, du côté de Empuisais, du côté de chez Colette, et en Hollande. La Hollande a été pendant très très longtemps le lieu où les feuilles interdites en France étaient imprimées. Et comment elles rentraient de Hollande jusqu'en France? Eh bien, les jansénistes avaient suffisamment d'argent pour soudoyer les laquais et les cochers des princes, dont on ne fouillait pas les carrosses, et ça rentrait comme ça.
par les carrosses de princes. Alors on dit que les princes n'étaient pas au courant, je sais pas, je suis pas allé voir. Peut-être qu'ils étaient au courant, mais même s'ils n'étaient pas au courant, on pouvait suffisamment soudoyer leur laquais et leur valet pour faire entrer les feuilles. Et le journal était interdit, et j'ai lu quelque part que un lieutenant général de police, c'est-à-dire vraiment celui qui était là pour faire respecter la police à Paris, a eu un jour un paquet de nouvelles ecclésiastiques qui lui est tombé comme ça sur les genoux, c'était au nez et à la barbe de la police. Et le journal était rigoureusement interdit. Donc le concile d'Embrun a eu lieu, le cardinal de Noailles a enfin reculé, il a accepté la bulle en mars 1729, il a rétabli les jésuites. Donc, les jansénistes avaient perdu. La bulle a été acceptée. Les jésuites sont revenus, pour pas dire en grâce, mais à tout le moins dans leur prérogative et leur fonction. Et le 4 mai 1729, le cardinal de Noailles est mort. Et là, ce coup-ci, Philippe, il a demandé à ce qu'on mette il a pris un autre archevêque qui s'appelait Vintimille, qui n'était pas lui du tout, pas du tout janséniste, et sa santé, sa reprise en main, début 1730, le cardinal de Fleury. Alors, cardinal de Fleury, il était premier ministre, il n'était pas au conseil de conscience, il avait été précepteur du jeune Louis XV, c'était un monsieur extrêmement à la fois, on ne peut pas dire autoritaire, il était au contraire extrêmement liant, c'était un homme pacifique, c'était un il avait surégu le sens de ce qu'il fallait faire, le bien commun, le bien de l'État, le bien de l'Église, le bien du royaume, le bien du roi. Enfin, c'était vraiment le serviteur idéal pour le jeune Louis XV, qui était un petit peu, pour pas dire écervelé, mais enfin, il était un peu mis à l'écart. Quoi. C'est le cardinal de Fleury qui gouvernait, et il avait le poste de premier ministre, et c'est certainement un des grands, grands premiers ministres que la royauté a eu. Et en 1730, il décide que tous les ecclésiastiques, curés, bénéficiaires ou autres, qui ne seraient pas d'accord avec la constitution unigénitus, perdraient tous leurs bénéfices. Voilà. Donc, et leurs bénéfices seraient déclarés vacants. Donc, il y avait, parmi les bénéfices ecclésiastiques, il y avait un certain nombre d'abbayes. Vous pouviez toucher les bénéfices d'une abbaye sans même être prêtre. Il suffisait d'être tonsuré et vous aviez des bénéfices. Mais bien sûr, il y avait énormément de bénéficiaires qui étaient des prêtres, en bonne et due forme. Et tous ceux-là qui refuseraient de recevoir la constitution unigénitus, on leur coupe leurs bénéfices. Quick. Donc c'était une façon de dire, bon alors maintenant, tout le monde va être d'accord avec la bulle. Et le Parlement refuse d'enregistrer. Donc on refait un lit de justice. On redérange le petit roi qui commence à grandir à ce moment-là. Et il a 15 ans, on fait de la constitution unigénitus une loi du royaume. Ça n'est plus qu'une loi d'église, ça devient une loi d'État. La constitution unigénitus, la condamnation du jansénisme, est un dogme à la fois du pape et du royaume de France. La France ne peut être janséniste puisque le jansénisme est condamné par la bulle unigénitus et que tout le monde l'a reçu. Que font les jansénistes? Ils ont perdu, là, on est d'accord. Eh bien, ils vont prouver que Dieu est avec eux en organisant des miracles. S'ils font des miracles, ils vont réussir à prouver que c'est eux qui ont raison, que c'est les autres qui ont tort. Donc, le 6 novembre 1730, ça fait quelques semaines que la constitution unigénitus est devenue loi du royaume, une certaine dame qui s'appelle Anne Lefranc guérit miraculeusement d'une paralysie générale en s'étant couchée sur la tombe d'un diacre qui s'appelait Paris et qui était un grand janséniste. Il s'était tellement privé de tout, il s'était tellement infligé de macération pendant sa vie qu'il était mort complètement décharné. Il mangeait que des légumes mal bouillis. Il donnait tout aux pauvres. Il était d'une famille parlementaire comme le mien. Il était du quartier de Saint-Médard. Alors ceux qui connaissent Paris, le quartier de Saint-Médard, c'est dans l'actuel 5e arrondissement. Et alors cette Anne Lefranc, elle raconte qu'elle était paralysée, qu'elle va sur la tombe du diacre Paris, elle s'allonge dessus et hop, elle se relève et elle marche. Elle marche. Donc c'est un miracle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle rédige avec les avocats, toujours les mêmes là, une dissertation sur les miracles. Et elle raconte, certificat médical à l'appui, qu'elle était paralytique avant, qu'elle n'est plus, donc qu'elle a fait un miracle. Voilà. Enfin, que le diacre Paris, qui est janséniste, a fait un miracle. Et
Le récit est publié comme ça et les gens apprennent qu'il y a eu un miracle à Saint-Médard. Et alors, un miracle. De quoi vous mêlez-vous là? Vous m'avez demandé mon avis? Qui est-ce qui juge s'il y a un miracle ou pas? C'est quand même l'Église. Ah non, c'est nous les avocats, vous savez, nous les avocats de France. Et l'archevêque se fâche. Il fait ausculter la dame par des médecins qui reviennent en disant hystérique. Et il n'y a pas eu miracle. Il n'y a pas eu de miracle, dit l'autorité compétente pour en parler. Mais Anne Lefranc, elle dit comment? Il n'y a pas eu miracle, mais je sais bien moi qu'il y a eu miracle. Et elle présente une requête au Parlement, une requête en appel comme d'abus. Alors qu'est-ce que c'est que l'appel comme d'abus? Que je vous explique. C'est la faculté d'en appeler au juge laïque, c'est-à-dire au Parlement, d'un conflit qu'on a avec la hiérarchie ecclésiastique. C'est-à-dire que l'appel comme d'abus, c'est une ingérence du temporel dans le spirituel. C'est la faculté qu'ont les juges laïcs de juger en matière d'abus ecclésiastique. Et le Concile de Trente, qui avait donc opéré la réforme catholique dans les années 1570-75, s'était déclaré contre la procédure d'appel comme d'abus. Mais les magistrats français n'avaient pas enregistré les canons du Concile de Trente. Les canons du Concile de Trente ont été acceptés par tout le clergé et pas par la magistrature. Il faut le savoir quand même. Le ver était dans le fruit depuis longtemps. Et le Parlement de Paris a jugé la requête d'appel comme d'abus d'Anne Lefranc recevable. Le Parlement de Paris a décrété qu'il allait lui juger s'il y avait eu miracle ou pas. De quoi se mêle-t-il? Et la requête de la dame était... Elle se plaignait d'avoir été présentée, je cite, comme une personne qui s'est prêtée à la passion d'un parti pour devenir un instrument de séduction des peuples et exciter un trouble dans l'Église et dans l'État. C'était quand même bien ça dont il s'agissait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, l'Église prenait le parti des gens crédules contre les charlatans. Et le Parlement a pris le parti d'Anne Lefranc. Et alors, les avocats jansénistes ont dit, c'est nous les Israélites en marche, nous allons vous montrer ce que c'est que les miracles. Et ils ont commencé à organiser des miracles sur la tombe du diacre Paris. Ça a été un cirque absolument hallucinant. Hallucinant. Les folies des convulsions. Alors ce qui se passait, c'est qu'on disait, il y a des miracles à Saint-Médard. Les gens venaient à Saint-Médard. Des éclopés, des ceci, des cela. Ils se couchaient sur la tombe et la plupart du temps, il ne se passait rien. C'est un miracle, vous savez, ça ne se fait pas sur commande. Et alors, il y en a eu un jour, un ou deux, je ne sais pas, qui ont commencé à être pris de tremblements, de convulsions, ils ont commencé à s'exciter, et de convulsions en crise de nerfs, on en est arrivé à dire que les miracles sur la tombe du diacre passaient par des convulsions. C'est-à-dire que si on voulait être guéri, il fallait avoir des convulsions. Donc les gens sont venus à convulsionner. Vous aviez des séances de convulsions dans le cimetière de Saint-Médard. Le cimetière de Saint-Médard, il était clos. Puis un cimetière, c'est jamais que de la boue et de la gadoue. Hein. Et les miracles avaient lieu même par des pluies torrentielles. Les gens venaient assister à des scènes d'hystérie, de hurlements, de sauts de carpe, de cris de bêtes et tout, d'hommes et de femmes qui régulièrement, dans ces grandes démonstrations, finissaient par se dénuder, parce que quand vous poussez des hurlements, la jupe s'enlève, le machin, vous aviez un sein qui jaillissait à droite et gauche. Donc tous les voyeurs du quartier disaient, il y a des convulsions, ça m'aide, on peut y aller. Alors ils venaient avec leur chaise et puis ils assistaient au spectacle. Et ça rigolait. Mais on rigolait sous cap, parce qu'on pouvait se faire lyncher, hein, si on rigolait trop fort, hein. Dire que c'était des clowneries, c'était montrer qu'on était déjà l'antéchrist, et que, etc. C'était vraiment une organisation de folie et de fanatisme dirigée par ces jansénistes qui disaient « Mais alors, là, il y a eu un miracle. » Et en fait, ils avaient expliqué aux gens que s'ils n'avaient pas de convulsions, il n'y aurait pas de guérison. Alors, des convulsions, il y en avait, en fait, tu en voilà. Les gens qui se pressaient au cimetière de Saint-Médard, c'était des gens, des grands noms comme le duc d'Orléans, fils du feu le régent, des noms comme La Rochefoucauld, Montmorency, Duchesse de Brissac, Saint-Simon, etc. s'y sont pressés. Et vous saviez, la crème de l'jansénisme parlementaire, le coq, Carré de Montgeron, Enderrand, Séguier, Nicolas, etc., tout ce monde-là venait assister aux convulsions et prétendait que c'était des miracles. La façon qu'ont eu les jansénistes de faire croire à des miracles, alors il y a un truc que j'ai raconté hier, parce que j'ai fait la conférence hier, c'est, vous avez un Suisse qui est arrivé, il disait, lui, il a eu un miracle parce qu'il est arrivé, il était constipé. Je vous raconte pas, je vous laisse deviner comment.
Il a pu montrer que le miracle avait eu lieu. Alors, il y a des gens qui sont allés faire un culte au Saint-Excrément. Enfin, écoutez, ça a été des singeries absolument. Et...